Enfin, il était là il y a 5 minutes. Lucie ! Oh, minutes ! Lucie ! Lucie ! Enfin, Lucie, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, m'en parlez pas, je sais pas, c'est depuis ce matin, j'ai perdu la jambe. Elle va chercher sur le canapé. Non, c'est mon plumeau que je cherche. C'est pas une raison parce qu'il a des plumes pour qu'il soit envolé. Dis donc, Zizou. Je sais pas ce que tu me disais hier soir, hein. Ma petite, étant donné que Louis XIV a fait à Madame de Montespan 8 enfants, on peut penser qu'ils ont eu tous les deux quelques grands moments d'intimité. Bien, sire. Ah ça, Lucie, vous dansez le menuet? Non, mademoiselle, je cherche mon plumeau. Trouvez-moi d'abord un vase pour ces fleurs. Patrice? Patrice, où êtes-vous? Patrice! Mais à quoi songez-vous? Vous êtes fou, mon ami! Savez-vous l'impair que cet homme a failli me faire commettre? Savez-vous quelle est la chambre qu'il a fait préparer pour notre hôte? Bien naturellement, la chambre bleue, la plus confortable, celle que nous donnons toujours à nos invités. Auriez-vous oublié qui nous attendons aujourd'hui? Oh, certainement, madame la comtesse! Le cardinal de Tramone, entendez-vous bien? Le cardinal de Tramone! Et vous lui donnez la chambre renaissance, voyons la chambre historique! Je ferai remarquer, madame la comtesse, qu'elle est dans l'aile la plus ancienne du château. Elle ne dispose donc pas de tout le confort. Mais elle a tout à passer! Les fenêtres ferment mal. J'ai peur que quelques courants d'air. Du courant d'air? Est-ce que nous ne devons pas, à son éminence, le cardinal de Tramone, l'honneur de le loger dans la chambre où le duc de Joyeuse passa la nuit l'avant-veille de la bataille de Coutras? Pouvons-nous lui offrir un autre lit que celui où le maréchal de Rastignac mourut de la peste en 1720? Oh, que madame la comtesse me pardonne, mais je ne me rendais pas compte. Mais secouez-vous, palsambleu! Allez, marchez, agissez! Ben, j'y vais tout de suite, bien sûr. Mais je me demande ce que l'on fera ici le jour où je disparaîtrai. On fera ouf! Ah, mademoiselle Gisèle, je ne suis pas fâché de vous trouver seule. J'ai de sérieux reproches à vous faire. Vous m'étonnez, monsieur le baron. Passé il y a 10 ans. Hubert a épousé une aventurière. Une aventurière? Qui a disparu un mois plus tard après nous avoir dépouillés. Et vous ne savez pas ce qu'elle est devenue? Je sais qu'elle a fait un séjour à Aix-les-Bains. Depuis un mois, je m'évertue à raccommoder un ménage qui n'existe pas. J'ai bien perdu mon temps. Vite, mon chéri, son éminence s'en va. Voilà, ma chérie. Ah non, 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 tous les deux. Les petits moulous et le regard tendre, faites-moi grâce. Mais nous... Je sais d'où. D'où il m'a questionné, terrorisé, c'est un démon. Oh, vous, Apolline, ça suffit, hein. Nous voulions divorcer. L'Église n'aime pas ce mot-là. Mais il y a pour elle dans notre cas une autre solution. Et dès mon arrivée à Rome, je m'en occuperai. C'est l'annulation pour non-consommation. Ah oui, mais voilà, on a consommé. Ben, on a compris qu'on était vraiment fait pour être mari et femme. Et on va le rester. Je n'admets pas que vous m'appeliez comtesse. À présent, vous avez le droit de m'appeler tantine. Bon, j'aimerais bien dire un petit mot tout de même. Mais vous n'êtes pas avec l'Église. Ce voyage de noces en Italie, nous avons tant parlé. Eh bien, faites-le donc. Justement, venu annoncer à madame la comtesse mon prochain départ. Qu'est-ce qui vous prend? Son imminence attente. Qu'elle ferait une excellente attachée dans ma salle. Dès mon arrivée à Rome, j'écrirai à mes amis. Cette fois, je pars. Je vous accompagne. Vous vous accompagnez. Par-dessus le marché, je t'accorde ta main. Tu lui avais demandé que le reste, mais depuis que je suis baronne, bah, je vois tout en grand. Alors là? Alors là, madame, j'espère que la chance va tourner. Alors là, dis donc, on a vraiment pas de chance, hein? Oh, ma chère Antoinette, qui aurait pu prévoir il y a un mois? Ah, nous étions moins d'accord quand ce bon cardinal est apparu sur la terrasse. Oh là là, il me semble que je le revois encore. Moi aussi. Mes chers amis! Finalement, c'est l'homme des miracles! À la grille du château! Paf! Un pneu crevé! Non, la providence! Car j'osais pas vous le dire, j'avais bien envie de rester un jour de plus. Maintenant que j'y suis, j'y reste!